Dans un joli désert, et il y a ce caillou, il est coupé net au milieu, puis il repose sur des tout petits supports, et au milieu c'est coupé net, c'est dingue, et puis il y a plein de formations bizarres, il y a des formations qui ressemblent à des éléphants, à des serpents, à un dragon chinois, enfin il y a plein de formations, ces cailloux ils sont vraiment fous. Et sur le caillou il y a des petits pétroglyphes, regardez comme c'est joli. Bon, il y a aussi des tags de l'autre côté, on va faire le tour. Il y a des tags, il y a des gens qui sont venus mettre leur pétroglyphe des temps modernes. Regardez. La semaine passée, on est parti de la région de Neom et là on reprend la route qui va retraverser toute l'Arabie Saoudite pour reprendre la direction de la frontière avec les Émirats Arabes Unis et d'Oman. Et là on est dans la région de Hail, c'est magnifique, on est dans une région désertique, entre le désert et la montagne, et les paysages sont sublimes. Depuis ce matin qu'on se balade dans le désert là, à côté de Hail, c'est magnifique. Et le désert il est vert, parce qu'il faut savoir que les quelques derniers jours il y a eu des super gros orages en Arabie Saoudite. Juste avant là on est monté une dune, elle faisait un peu plus de 100 mètres de dénivelé. Et on a fait tout le tour d'un petit massif montagneux. Et derrière moi il y a un couloir, il est costaud. On va essayer de le descendre sans faire de tonneau et on te retrouve en bas. C'est bien passé, on est en bas du couloir de la mort. Il était vraiment trop beau pour pas essayer d'aller le faire. Franchement, je sais pas si on va voir les dénivelés sur les images, mais c'était magnifique. Là, on est arrivé à Djouba. On a dormi dans le désert qui est juste à côté hier soir. C'est un magnifique oasis. Ça, c'est tout l'oasis qu'on voit là derrière moi. C'est un super magnifique village. Et il y a un site protégé avec des pétroglyphes. Mais alors, on a fait déjà des sites de pétroglyphes en Arabie Saoudite, mais celui-là, la densité de pétroglyphes, elle est folle. Il y en a partout. C'est super haut. Ça va très très haut. Et il y en a vraiment juste de haut en bas de la montagne, il y en a partout, des écritures, des dessins. Et là derrière nous, c'est la première fois qu'on voit un humain
ultra bien dessiné, c'est taille humaine du coup, et en une piquette, une sorte de bouquetin. Une sorte de bouquetin, super bien dessiné aussi, avec beaucoup de détails. On n'en avait pas encore vu aussi détaillé, franchement c'est super joli. Le site est exceptionnel, il est sur des kilomètres et tout. Il est complètement gratuit d'accès, il est juste protégé par des barrières. Là on a attendu à 9h, ils nous ont ouvert les portes et tu peux accéder. Il y a 2-3 panneaux explicatifs. Les premiers de ces pétroglyphes dateraient d'il y a 9000 ans avant Jésus-Christ et les plus récents 2500 ans avant Jésus-Christ. Puis il faut savoir qu'à cette époque, l'oasis qui était derrière nous, c'était un lac, vu que c'était une région beaucoup plus humide, comme on vous a déjà expliqué à Kaibar, pour les structures des kites et les autres structures qu'on a trouvées. C'était vraiment durant la fin de l'Holocène humide, et du coup, ben voilà, il y avait des lacs, il y avait beaucoup plus d'animaux, et c'était une période qui était tout à fait différente de ce qu'on retrouve maintenant. Il y avait aussi des autruches ici, il y a des dessins d'autruches. C'est dommage qu'on n'en ait pas vu, vu qu'il n'y en a plus maintenant. Ça aurait été cool de voir des autruches. On a dû prendre la voiture, le site il est tellement grand. Puis regardez à côté là, il y a deux chevaux qui tirent une charrette. C'est fou, le site il est gigantesque. On a un gars qui nous accompagne là, parce que c'est tellement grand, on a fait quelques kilomètres en voiture, il y en a vraiment partout, il y en a des milliers. Toutes les montagnes que vous voyez derrière nous là, elles sont remplies de pétroglyphes, partout. Petit restaurant, il y en a vraiment dans tous les villages qui mangent pour rien du tout. Donc à midi, on mange toujours dans ces restaurants. Faut se souvenir avant midi, puisque des fois ça ferme entre midi et 4h. Tu manges pour 20 rials, 20-30 rials et t'es repu avec les boissons, avec les bons petits jus de fruits. Des fois, c'est des plats saoudiens comme les kebsa. Mais il y a pas mal de ces restaurants qui sont tenus par des gens du Bangladesh, des gens d'Inde. On vient de sortir du restaurant, on rentre dans la voiture. On branche 2-3 trucs et puis un monsieur avec ses enfants qui commence à parler avec Tim et puis il ouvre la portière et puis j'étais de l'autre côté. Puis il a cru que j'étais la maman à Tim et ça fait depuis le début du voyage qu'à chaque fois on me prend pour sa maman. On m'avait donné 47 ans, c'était le plus qu'on m'a donné, mais là il m'a donné 50 ans et j'en ai 31, j'ai le seum de fou. C'est pas cool, franchement j'ai pas l'air d'avoir 50 ans, non? Ça va. Et Tim, ça le fait bien rigoler en tout cas. Comme chaque fois quand on s'arrête dans les villages pour manger, on n'arrive jamais à quitter le village, il y a tout le monde qui s'arrête. Soit prendre des photos, discuter, prendre Zoé pour ma mère. Et puis du coup là on part, on a rencontré un mec qui a un musée je crois. Puis il veut nous offrir le café et tout, on vient de manger, il voulait nous offrir à manger mais on vient de manger donc ça va pas le faire. Du coup là on est parti et puis on accepte l'hospitalité chaque fois là. Donc on est parti et on va voir son musée. On est arrivé au musée, c'est magnifique, on a été accueillis de fou, des dattes, du miel, le musée il est trop beau là et tout. Regarde ça. Regardez comme c'est beau. Il est trop beau leur musée. Là il y a un puits. Et le puits pour remonter l'eau. Là, en fait, ils utilisent des chameaux.
Et puis les chameaux, bah, ils tirent et ils remontent l'eau du puits. C'est trop cool. C'est trop bien. Et là, quand ils remontent l'eau du puits, en fait, ça tombe juste là derrière moi. Et après, ça part dans une canalisation, puis ça part dans tout l'oasis qui est derrière et tout. Puis ça va arroser tous les arbres et tout, c'est fou. De toute la profondeur du puits. Il est super profond, le puits. Et en bas, c'est une méga bassine. Du coup, tu m'étonnes qu'il faut des chameaux là pour remonter la bassine. Salut. Ah, comme ils sont beaux, ils sont duveteux ici, les chameaux. Oh ouais. Vous voyez l'oasis qui est derrière moi et tout? Bah en fait voilà, il y a l'eau, elle arrive ici et puis elle va faire tout le jardin là-bas et puis elle va mettre de l'eau partout. On est dans la région de Alassa, où il y a le plus gros oasis du monde. Et il y a un énorme lac qui s'appelle Yellow Lake. Alors pourquoi Yellow? Aucune idée. C'est une des sources principales de cet oasis. On a dormi à côté et ce matin, en se réveillant, on a vu qu'il y avait une méga dune, comme vous pouvez voir derrière moi. Et du coup, on est monté dessus et on a la vue sur ce magnifique énorme lac. Une voiture et un cavalier sont arrivés près de nous. Nous avons sympathisé avec Abdul et ses deux amis. Ils ont bien chauffé Tim pour qu'il monte à cheval, mais il s'en est plutôt bien sorti. Ils nous ont invités à manger le petit déjeuner avec eux. Ils parlaient un peu anglais et nous avons aussi utilisé Google Traduction, donc l'échange était facile et très sympathique. Après le repas, ils nous invitèrent à aller voir l'écurie d'un ami à eux. On les a donc suivis, direction le centre de l'oasis.
Les gars avec qui on a croisé pour le petit déjeuner, ils nous ont emporté dans l'oasis d'Alassa là. Donc on est dans une des étables où ils ont leurs chevaux. Ils sont trop beaux les chevaux. I love you, Suestra. Et dans cet oasis, il y a tout qui pousse. Donc depuis le lac, il y a des canalisations qui partent un peu dans tout l'oasis. Et là, ils font pousser, bah, majoritairement, c'est des dattiers. Mais ils ont des figues, ils ont des citrons, ils ont tout ce qu'il faut dans cet oasis, c'est fou, puis il y a tout qui pousse. Je vais vous montrer après la taille des citrons, ils sont énormes, énormes. Regardez la taille du lemon là. Trinage. Regardez-moi ça, cette taille quoi. Il est énorme. Non mais regardez ma main. Donc on va se faire des petites eaux citronnées là après, ça va être nickel. Alors là, on est dans une montagne qui est au milieu de l'oasis. Ils appellent ça Al-Gahar. C'est la montagne continent. Parce qu'en fait, elle sort de nulle part. Comme un continent au milieu de la mer, bah, elle est isolée au milieu de l'oasis. Et c'est une méga montagne. Et il fait super bon à l'intérieur. Là, il fait genre 20 degrés à l'intérieur. Du coup, elle est utilisée depuis des milliers d'années où les gens, ils allaient se planquer dedans pour se protéger des chaleurs. On se balade. On a notre guide qu'on a vu depuis ce matin. Là, il nous balade dans tout l'oasis. Puis là, on part dans des caves. C'est ouf. C'est de la folie, mais il y a un de ces mondes, c'est rempli de gens du pareil, moi. Mais regardez comme c'est beau. Big, il y a des kilomètres. Je sais pas combien on fait de kilomètres là sous la montagne, c'est dingue, il y a des passages partout. Et tu peux aller t'enfiler dans plein de petites pièces là, en fait tu remplis, regarde là. Ah, toutes les petites caves, c'est super joli. Abdul nous a fait visiter le lieu. Il le connaissait bien car étant plus jeune, il y jouait avec les enfants du village, avant que ça devienne un lieu fait pour les touristes. Il y avait des failles et des cailloux de fou. Il était tellement content de nous montrer ses galeries. C'était une très très bonne visite. Go? Yeah, good, good. On fait du... Comment ça s'appelle? La spéléo. La spéléo. En tongs et en robe. Oh là, c'est la merde par contre. Oh, merde, tu vois. Trouver la sortie. Ouais. Ce tombeau sera pas notre tombeau.
J'aime la Suisse from Switzerland. Oui. I love you. Après la visite de la montagne, Abdoul nous a amenés dans un petit marché de poterie, des spécialisations de la région. Il voulait nous montrer encore plein d'endroits, mais malheureusement, nous avons dû lui dire au revoir. La fin de journée approchait et nous devions partir pour trouver un lieu où dormir. L'oasis d'Alassa est gigantesque. Il contient plus de 2,5 millions de dattiers. D'après l'UNESCO, ce serait le plus grand oasis du monde. À l'intérieur, on retrouve 4 villes et plein de villages.